to brace yourselves for this. Vous allez bien? Déplacez-vous avec le joystick gauche. Avancez jusqu'au soldat Wilfred. Appuyez sur la maîtrise croix lorsque vous serez près de le navire pour lui parler. Après vous être fait attaquer par un bracoliche et vous êtes noyé, rien d'étonnant. Je suis sûr que ça vous reviendra. En attendant, vous devriez fouiller la plage à la recherche. Le chemin de quête vous mène à l'objectif suivant. Ouvrez le journal de mission via le menu principal pour l'afficher ou le désactiver. Appuyez sur la touche 3 pour interagir avec les personnages et objets proches. Choisissez parmi plusieurs objets en plaçant votre curseur sur l'objet désiré. Appuyez simultanément sur la touche L1 et la touche gauche pour ouvrir votre inventaire. Sélectionnez un objet pour l'équiper. Appuyez sur le pavé tactile pour passer en mode interface. Le suivi de quête affiche les objectifs de la quête actuelle.
Les feux de camp sont des zones de repos où les joueurs peuvent être soignés. Content de vous rencontrer. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un a survécu à l'attaque du navire. Parlez-moi de nouveau quand vous vous sentirez prêt. Bien que le gros des troupes de Valindra ait été stoppé, la bataille est loin d'être terminée. Le champ de bataille grouille de morts vivants qui ont perdu leur maître au combat. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ennemi réveille nos morts et les retourne contre nous. L'acolyte Neyman est en train d'effectuer un rituel de Kelemvor afin d'accorder le repos aux récents morts. Cela nous vaudra certainement d'être attaqué. Je dois rester et m'assurer que Neyman termine son rituel. Utilisez la touche R2 pour lancer Fioriture sur un ennemi au corps à corps. Soyez venus. Quelle joie que vous soyez venus. J'ai besoin de soins. Merci. Appuyez simultanément sur la touche L1 et la touche 3 pour sauter. Nous avons eu de la chance de pouvoir repousser les forces de Valindra. Merci d'avoir aidé les blessés. J'ai bien peur d'avoir une tâche plutôt macabre à vous confier. Nous avons repoussé le gros de l'armée de Valindra, mais ses alliés, les magiciens rouges, nous harcèlent toujours de leurs invocations de morts vivants. Le soldat Otidon tente de les repousser avec ses archers. Mais il manque de munitions. Maintenez la touche L2 enfoncée pour lancer Aura de Spiral. Je répondrai à vos questions si je peux. Mais ne brisez pas ma concentration. Lorsqu'elle a attaqué Neverwinter, Valindra contrôlait un Dracolich. Elle a d'abord attaqué les bateaux sur le quai, puis est venue directement jusqu'à la cité. Mes amis et moi-même aidions le sergent Nox lorsque l'attaque s'est produite. Une bataille terrible, que nous avons finalement gagnée. Je ne sais pas comment Valindra a obtenu un Dracolich. Peut-être un accord avec le culte du dragon. Mais ce qui importe est qu'elle n'en a plus désormais. Quand un Dracolich est tué, son esprit retourne un phylactère spécial. De là, il peut posséder le corps d'un autre dragon et renaître. Cet esprit de Dracolich n'est pas encore parti. Je suis en train de le lier ici. S'il ne peut pas revenir au phylactère, nous serons en mesure de le détruire et de priver Valindra d'un allié puissant.
Nous devons repousser les magiciens. Merci pour votre aide. Les magiciens rouges n'ont pas été repoussés, mais cela les forcera au moins à faire profil bas. D'autres morts-vivants attaquent Neverwinter. Ils débarquent du château Never et ont pris d'assaut le pont du dragon assoupi. Si le pont tombe, ils pénétreront au cœur de la ville dans l'enclave du protecteur. Je dois rester ici pour m'occuper des magiciens rouges. S'il vous plaît, rendez-vous au pont et prêtez main forte à la défense. Détruisez les morts-vivants qui... Appuyez sur la touche carrée pour lancer flamme meurtrière. Tuer un ennemi avec ce sort invoquera un esprit asservi. Bonjour. Vous avez meilleure mine que sur la plage d'autrefois. Vous avez dit que sécher près du feu vous ferait du bien. Ma mère dit toujours, des vêtements chauds réchauffent le cœur. Vous avez suffisamment réduit le nombre de squelettes pour nous permettre de passer les portes en sécurité. Linklater m'a donné des potions pour vous. Vous en aurez sûrement besoin. Sélectionnez un lieu pour vous y rendre. Ils ont des ennuis. On doit les aider. Appuyez sur la touche L3 pour filer dans l'ombre et vous disperser en un nuage de ténèbres vous permettant de ne pouvez pas utiliser filer dans l'ombre lorsque votre vigueur est trop basse. Yeah!
des neuf enfers. Qu'est-ce que c'est que ça? Appuyez simultanément sur la touche L1 et la touche croix pour utiliser nuée de radar et maintenir votre cible en place pendant que des horreurs indicibles s'élèvent autour d'elle. Vous pouvez activer votre pouvoir quotidien lorsque vos points d'action sont pleins. La porte! On va y arriver! Désolé, j'aurais dû être plus prudent. Mais quand je pensais à tous mes amis morts à cause de son... Trouvez le sergent Knox et dites-lui ce qui s'est passé. Demandez-lui de voir si ma mère va bien de temps en temps. Il faut l'arrêter. Lord Neverember n'est pas un saint, mais il est ce que l'on a de mieux. Si Neverember échoue ici, Valindra aura le contrôle de Neverwinter. Trouvez le sergent Knox. Il est l'un des gardes de Neverember. L'un des bons.
L'enclave du Protecteur a besoin de votre aide. Wilfried est mort. Damnation. Un héros si jeune. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait sur le pont. Nous aurions perdu l'enclave du Protecteur si l'Annonciateur avait franchi les murs. Jetez un œil au coffre qui se trouve derrière moi. Vous y trouverez un gage de ma reconnaissance. Nous avons perdu beaucoup de gens aujourd'hui, et le fait que l'Annonciateur soit apparu si près des remparts ne me dit rien qui vaille. J'ai cru comprendre que vous aviez perdu une bonne partie de vos affaires lorsque votre bateau a été détruit par le Dracolich. Je ne pourrai pas les remplacer, mais je peux vous proposer une tenue civile. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous voudrez vous défendre et enlever votre équipement de combat. Parlez à Quinn, l'aide de camp. Vous le trouverez à l'ouest en passant par ce tunnel. Il s'occupera de vous. J'ai entendu ce qui s'est passé sur le pont, comme quoi vous avez arrêté l'Annonciateur. On vous doit une fière chandelle. Nox m'a demandé de vous trouver des vêtements pour remplacer ceux que vous avez perdus. J'ai bien peur de ne rien avoir de très plaisant, mais au moins, ils vous tiendront chaud. Jetez un œil au coffre. Vos concitoyens, faites un don. Vous revoilà. Yeah. J'ai eu vent de certaines perturbations dans les chambres fortes de la Cour de justice. Les gardes ne sont plus très nombreux depuis la dernière attaque. Mais vous avez prouvé votre valeur, et j'aimerais donc que vous vous occupiez de cela pour moi. J'ai dit aux gardes de la porte que vous veniez. Il vous laissera entrer dans la chambre forte.
C'est vous que le sergent Knox a envoyé pour enquêter ? Je suis content que vous soyez là. On a entendu des bruits étranges venant de la chambre forte. L'un des autres gardes est parti voir, mais il devrait être revenu depuis le temps. Je dois surveiller l'entrée, mais vous pouvez passer. Trouvez la source de ces bruits et cherchez le quartier Maître Otus. Il saura ce qui se passe. Bas,
Utilisez une potion de soin pour les restaurer. Les Nashers se sont introduits dans les chambres fortes pendant l'attaque de Valindra sur la ville. Ils sont venus voler la couronne de Neverwinter. Ils y sont presque parvenus. Mais ils ont ensuite mis les morts des chambres fortes inférieures en colère. Ils se battent contre eux en ce moment même. Je les ai enfermés à l'intérieur, derrière l'entrée cachée, vers les chambres fortes inférieures. Il y a un interrupteur secret dans la bibliothèque, sur le mur du fond. Arrêtez les Nashers avant qu'ils ne prennent la couronne!
Vous avez obtenu un parchemin d'identification. Sélectionnez un objet non identifié et choisissez « Identifier » pour utiliser le parchemin et révéler les statistiques de l'objet. En or, dépêchez-vous et récupérez la couronne. Le gardien se réveille.
L'enclave du Protecteur a besoin de votre aide. Les Nashers ont osé piller la chambre forte juste après l'attaque de Valindra. Merci d'avoir aidé à la défense. Malheureusement, les Nashers se sont enfuis avec la couronne de Neverwinter. Elle symbolise la légitimité du seigneur de la ville. Nous devons la retrouver avant que les Nashers ne l'utilisent pour soulever une rébellion. Les Nashers ont volé la couronne de Neverwinter dans la chambre forte. Mais nous avons encore une chance de la récupérer. Il nous suffit d'attraper les deux voleurs qui se sont échappés